Là on est à 6-7 000 des côtes, on les voit pas parce qu'il y a du brouillard comme d'hab, mais voilà, ça touche à sa fin ce leg, ça s'est super bien passé. On a fait beaucoup de choses et c'était assez dense avec une super bonne équipe. Donc c'est un beau succès là jusqu'à. Voilà, on dira ça quand on sera arrivé, mais jusqu'à présent là c'était un très bon leg. Et le programme après Tuktoyaktuk, tu peux le rappeler? Donc là, le programme, c'est 2 jours à Tuktoyaktuk pour faire la relève des équipages et des scientifiques. Et puis ensuite, on repartira donc le 21 au matin pour donc franchir tous les canaux de l'archipel nord-canadien. Et donc le passage nord-ouest. Voilà, donc c'est tard dans la saison. Donc il va commencer à y avoir de la nouvelle glace, pas mal de nuits, de plus en plus de nuits, des températures de plus en plus froides. Donc faut y aller, quoi, faut passer. C'est le gros enjeu du leg prochain. Presque, on va dire, un petit peu plus que la science, parce que voilà, c'est maintenant que tout se joue, quoi. Faut passer, faut finir ce tour. Si on peut faire de la science en plus, c'est top, quoi, c'est le bonus. Mais voilà, non, ça s'annonce intéressant.